problème mingi. Ouais, mais ma femme ici, à capable ici à Goma. Eh, c'est tu. Ça c'est capable à Goma. Oh, il y a un fond naturel. Ah, tu fais ça. Anauliza sasa ile hii kampanya yenye utafanya itakuwa tu hapa Goma ama itakuwa kwa nivo nasionale hata Kinshasa hata wapi? Ile ni kesi ya kwanza ya pili sasa. Kweli ndani ya nchi yetu tuko na utajiri mwingi. President promettre ku exploiter byote bien biko mu Congo. Ata gaz mentale tuko naye. Sasa nauliza wakati yeye madame Hortense utafika. Suivant la sensibilisation de sa candidature à la magistrature suprême de notre pays, la RDC, ce mardi 22 août 2023, la candidate du peuple, madame Hortense Kabuo Maliro, était honorée par l'invitation des personnes vivant avec handicap et malentendant, communément appelées chez nous les sourds-muets. Cette rencontre exceptionnelle, organisée par la coordination de la voix des marginalisés et mouvement citoyen des droits des personnes opprimées, la grande salle de l'hôpital Hill Africa de Goma était le lieu de rendez-vous. À côté des malentendants, les personnes vivant avec handicap physique étaient aussi au rendez-vous pour manifester leur attachement à madame Hortense Kabuo Maliro et ils ont touché chacun dans son gibecière afin de soutenir la caisse qui va faciliter la candidate du peuple à totaliser une somme de 100 000 $ américains comme caution non remboursable à la CENI avant que madame Hortense Maliro réponde aux questions de ses frères et sœurs de la ville de Goma réunis pour cette fin. Pour M. Meshak Mazoezi, président provincial de Malatanda du Nord Kivu, responsable d'une école à Rutshuru, dans son langage des signes, interprété par Mme Melesi Masika, a montré son inquiétude concernant les populations se trouvant dans les zones sous occupation des rebelles terroristes du M23. Dans les territoires de Rutshuru, il y a beaucoup de problèmes pour le moment. Et nous voulons que la CENI voie comment la possibilité de commencer l'enrôlement au niveau des Rutshuru, parce que les Rutshuru est aussi notre territoire de la RDC. Alors, c'est impossible de voter à Goma, à Kinshasa, dans différentes provinces ou différents territoires. Alors, nous oublions les Rutshuru. Les Rutshuru aussi font partie du Congo. Oui, je les soutiens. Moi, je suis vraiment prêt à les soutenir parce que c'est ça. Sont totalement handicapés comme nous et je suis prête à les soutenir. De son côté, M. Félicien Tumusifu, coordonnateur de la voix des marginalisés, a montré la détermination du peuple congolais qui ne jure que pour le changement. Pour la troisième journée aujourd'hui, des collectes de fonds pour soutenir la candidature de Mme Hortense Kabuo Maliro. La motivation, c'est que vous savez, nous sommes les mouvements citoyens qui se battent pour le changement et qui se battent pour vivre un Congo nouveau de nous. Et aujourd'hui, nous conscientisons toujours et nous continuons à conscientiser la population que comme les élections s'apprêtent d'ici là, le 20 décembre 2023, c'est le moment que nous devons changer les choses. C'est le moment que nous devons changer la classe politique. Parce qu'il y a longtemps, nous avons confié la confiance aux personnes qui n'ont pas été redevables devant la population. Nous avons voté les gens à qui ils sont partis pour s'enrichir et pour détruire le Congo. Mais aujourd'hui, avec la candidature de Mme Hortense Kabuo Maliro, c'est une personne, une dame très courageuse, une dame qui se bat pour les droits de la femme, c'est une dame qui se bat pour les droits des personnes vivant avec handicap, c'est une dame qui se bat pour la paix et la sécurité dans notre pays, la République démocratique du Congo. Vous n'ignorez pas que Mme Hortense Kabuo Maliro, partout où elle est passée, elle a défendu bien la République démocratique du Congo. Et quand nous avons découvert son courage de porter sa candidature à la magistrature suprême, on ne devrait pas y passer inaperçu. Raison pour laquelle nous sommes en train de motiver et conscientiser toute la population congolaise
partout comme à l'étranger que voilà, c'est ça l'occasion de changer le pays. C'est ça l'occasion d'amener une personnalité qui mérite et qui répond aux déshydratants de la population à la magistrature suprême. Et cette personne, nous répétons que c'est Madame Hortense Kavuo Maliro. Monsieur Sankara Bin Kartoumoua, il est personne vivant avec handicap physique, candidat à la députation nationale et ville de Goma. Son objectif n'est autre que de prouver de quoi la personne vivant avec handicap est capable, contrairement à ceux qui pensent que handicap physique est équivalent à l'handicap mental. Tout d'abord, aujourd'hui, on était avec des différents représentants, les leaders districtiers des associations des personnes vivant avec handicap. Le plaisir était pour nous parce qu'ils ont compris, ils ont d'abord répondu favorablement à notre appel. Non seulement comprendre favorablement ce qu'on est en train de dire, mais aussi ils sont en train de nous soutenir. Ils ont déjà compris notre philosophie. Ils ont déjà compris tout ce que nous sommes en train de chercher. Une chose qu'on continue de dire merci et on continue de croire que la victoire reste au rendez-vous. Parce que ce sont nos électeurs qui sont en train de nous soutenir. D'autres, c'est eux qui sont en train de vouloir soutenir les électeurs, tout simplement pour tromper leur vigilance. Mais quand même, quant à nous, on continue de dire que les actions continuent de collecter des fonds. Abordée par la presse, Madame Hortense Kavuo Maliro, candidat président de la République pour les élections du 20 décembre 2023, la confiance est pour sa victoire. Le moral est au zénith. Je remercie d'abord le mouvement citoyen, la voix des marginalisés qui continue à se donner corps et âme pour cette collecte de fonds à ma faveur. Et aujourd'hui, ça m'a vraiment beaucoup interpellée parce que je suis très contente de voir que le mouvement citoyen a compris que la société que Hortense veut prôner, c'est une société meilleure et inclusive. Donc, ils ont aujourd'hui porté le choix à la cible des personnes handicapées, les organisations des personnes handicapées. Donc, c'était la cible, c'était aujourd'hui, on était avec toutes ces organisations-là. Et c'était intéressant parce qu'elles ont. Et toutes ces personnes qui étaient présentes, elles étaient très, très flattées de voir que, mais on ne savait pas que vraiment qu'il y ait des personnes handicapées qui peuvent pousser leur ambition haute au niveau de la magistrature suprême. Et ce qui est là, je suis très contente parce qu'elles ont montré qu'elles vont me soutenir et elles ont prouvé partant de leur collecte. Et je pense que c'est bien et je vois que la population comprenne la donne et nous allons marcher avec la population parce que c'est la population qui sera là, qui aura les derniers mots. C'est ça que nous voulons changer, que toutes ces personnes-là ne soient pas vues comme sont des personnes marginalisées, mais qu'elles soient des personnes actives qui doivent apporter aussi l'air plus pour le relèvement de la nation. Donc, pour moi, c'est encore une fois un encouragement et un grand merci à tous les organisateurs.